qui l'a fait. Ouais, 30 pompes. 22, 22, 22. Allez, Jean-Marc. Alors, 30, c'est pas assez. Hein. Alors, allez. Je propose un truc conceptuel. Je joue Jeux Interdits et toi, tu fais 40 points. Oh putain, ouais. Et moi, je fais la grosse caisse avec la grosse caisse. Ah ouais. Comme ça, c'est plus simple pour les gens, ils comprennent mieux. Ah oui, j'écris un poème sur Jeux Interdits. Ça s'appelle L'Émasculé. Les enfants, vous pouvez juste boucher les oreilles des gosses. Ouais, les enfants, bougez. Vous entendez rien, les gosses, c'est bon? Si je dis quéquette, vous entendez ça, quéquette? Bistouquette. Non. Pubis. Pubis. Alors, pubis. Ça fait mal à les gosses, ça, pubis. Eh, hey, vous les... Ah, c'est triste, Jeux Interdits, en fait. C'est ta chanson qui suit. Oh, putain, c'est triste. Paul. Paul. Léger. Paul léger. On va jouer autre chose. Attends, je m'en remets parce que ça m'a foutu les boules. Eh, hey, tu devais pas faire 40 pompes, toi, sérieux? Non. Oh, sérieux. Mais le mec, on lui dit fais 30 pompes, il prend le micro, comme ça devant toi, il prend le micro, et en te regardant dans les yeux, il dit 30 pompes, c'est pas assez pour moi. Et après, le mec, soi-disant calé, il va s'asseoir là-bas et il fait style. Oui, j'ai rien dit. Jean-Marc, t'as 40 pompes à faire, je te propose d'en faire le triple de toi. Oh là. Mais moi, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit, moi. Moi je fais pas de pompe, je suis plutôt un intellectuel. Chacun son truc. Et pour pas bière. Jean-Marc, je me rappellerai toute ma vie de cette fois où tu t'es déshonoré à Pontarlier. C'est triste, ça me rappelle. Ça me rappelle. J'avais 13 ans, c'était la première femme qui m'a appris l'amour, elle en avait 40. C'était sur une plage et comme on avait fait l'amour, ça me fait penser à la fameuse chanson L'amour à la plage. Vous avez retenu l'intro, les gars, quand même. Vous pourriez dire bravo, Paul. Écoute. Yeah.
Salut sans bon sens. Que sans bon sens. Une autre peut-être. On va attendre, Jean-Marc, on va attendre. On va attendre. On va complètement attendre. J'ai envie de faire une chanson de Franche-Comté. Donc j'ai envie de prier la Vierge Marie. Pour qu'un seul groupe qui s'est séparé il y a très peu de temps ne soit que une embrouille pas sa mère. Et que des préparés soient retenus pour les hommes. Des savants. Car oui, ils s'aiment. Ça, c'est d'ailleurs très fort. Si, c'est d'ailleurs très fort. Calling Alice, the better home, 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 the Voilà, alors enfin ça faisait pas là, voilà. Là c'est pareil, c'était pas là, mais c'est pas la même mélodie. Donc c'est là, elle fait pas pas là, pas là, pas pas là, pas là, pas pas là, pas là, pas pas là. Le mec généreux de... Cette chanson, ça dit qu'elle était géniale. François Feldman a dit, je l'adore. Maître Gims a dit, j'ai pas tout compris les paroles. Et on lui a dit, c'est pas grave, maître. Tant que tu continues de le faire rêver avec tes textes. We'll be right back.
il est hyper timide. Alors on va l'applaudir tout doucement parce qu'il est très timide. Théo, au retour, s'il vous plaît. Chut. Il est très... Montre, regardez juste. Si, montre, juste, monte ta tête. Ah, chut. Il est très timide. Il est très timide. Ce soir, en exclusivité internationale, il parle pas très bien français, c'est Gonzalo González de Nacionales qui faisait nos lumières ce soir, il est là-bas. Gonzalo González de Nacionales. C'est quoi déjà un flash mob? C'est une chorégraphie que tout le monde fait ensemble. C'est-à-dire, on va pas faire une choré compliquée, ça va être ça la choré, tu vois. Donc, je pense que tout le monde peut plus ou moins le faire. Alors, ce qui est important dans un flash mob, c'est de le faire au moment où je dis, bien sûr, flash mob, parce que sinon tout le monde commence en décalé, et visuellement ça fait comme une sorte de vague. Et comme je suis un peu border, ça va me faire charmer, je l'avoue. Donc, enfin, que tout le monde commence ensemble, ça m'arrange. Par contre, faut que tout le monde fasse un flash mob. Si à côté de toi, il y a un mec ou une meuf qui fait pas flash mob, pas de violence. Tu te contentes de le regarder ou de la regarder en disant « Ah oui, toi tu ne fais pas le flash mob. » Comme ça tu rigoles, tu vois. Et une fois que l'autre, il te regarde pas, bah, tu mets un putain de coup de pied là. Et ça lui apprendra putain à pas faire le flash mob. Voilà. Sachant que si, ce soir, tout le monde fait le flash mob, on vient de me prévenir dans l'oreillette parce que je suis en direct avec la SPA de l'Antarctique qui m'a dit que si tout le monde ce soir fait le flash mob, on pourra peut-être sauver Poufy, le bébé phoque qui a été agressé ce matin. Je ne vous promets rien, on verra ça à la fin de la chanson. J'ai direct le kiné de Poufy qui est en Antarctique, torse nu, en train de lui faire un massage cardiaque, c'est chaud pour Poufy. J'espère que tout le monde va aider Poufy. Ce flash mob, que les jeunes chats, j'ai envie de dire 1, 2, 3, pouf. Yeah.
Merci aux autres groupes, à Princesse et aux autres. Bonne fin de soirée à vous, à bientôt.